6 avril 2024. Moi, c'est Jean-Philippe Capsalune depuis la capitale fédérale américaine à Washington, D.C. Mes nouvelles. Fait que nous avons pris de mener l'actualité à la secrétaire d'État américain Anthony Blinken, rencontré le président chinois Xi Jinping, dans un effort pour encourager, suspendre, supporter la Russie. Les manifestations étudiantes en faveur de Palestine ont continué dans l'université américaine à ce continent européen. Et puis, dans le pays d'Haïti, les États-Unis ont équipement militaire par les forces de l'ordre pour aider à combattre l'activité gang armée. C'est bien. Oui, c'est quelques points qui ont dominé l'actualité. Mais on a commencé à l'actualité, une nouvelle concernée, non seulement les États-Unis, mais concernée tout. Et Moyen-Orient, on a dit que la police est en train de laisser frapper jeudi soir avec un manifestant qui est en faveur palestinien dans l'Université État Ohio, avec l'Université Emory dans Atlanta, Georgie. Pendant la manifestation, on a continué dans l'Université dans tout le pays à contre support aux États-Unis à bail Israël dans la guerre à mener contre Hamas, ou bien groupe militant Hamas qui est dans le territoire Gaza. Et il y a une manifestation tournée dans New York, côté responsable de l'Université Columbia, semblait qu'il voulait chercher une entente avec manifestant Serge François Michel. Université Columbia rallye back sous délai li était fixé hier jeudi en cours de débat manifestants en faveur palestinien la nuit hier soir pour y abandonner camp yo sous campus là pendant plusieurs universités dans les États-Unis ont cherché à empêcher manifestants yo continuer à occuper campus yo. La police te fait un paquet d'arrestations à l'université dans tout le pays. Parfois, ils te servent à gaz chimique et à taise pour disperser manifestations contre la guerre Israël à Hamas. Bureau président de l'université Columbia, qui est basé dans New York, Minouche Shafik, publié un communiqué à 11h07 hier soir. Côté l'été où était délai minuit pour manifestants, yo défaite yon gros coquin camp qui gagne à peu près 200 étudiants. Chita causé yo montré gain progrès et y a continué jante planifié yo. Nos gain exigence pas, nous yo gain pas yo. C'est sa déclaration a dit. Li démenti que l'université a tiré la police ville New York sous campus là. Yon étudiant qui identifié d'être li comme Mimi dit agence France Presse li nan camp depuis 7 jours. Li dit, yo rele nou terroristes, yo di nou violents, mais seuls outils nou gen vraiment c'est voix nous. Étudiant manifestant a dit, y a exprimé solidarité avec Palestiniens en Gaza, côté bilan moun ki mori dépassé 34 305 d'après ministère de santé que Hamas dirigé. Plus passé 200 manifestants qui ont protesté contre la guerre, des jeunes arrestations au mercredi à Bonnet jeudi matin, dans l'université dans Los Angeles, Boston et Austin dans l'État Texas. Côté 2000 manifestants, t'es rassemblé encore hier jeudi, débattement de la police dans la ville Atlanta, dans l'État Georgie dit, agent police qui te répond demande l'école là, t'es joint avec violence, et t'es servi à gaz chimique pour irriter manifestants, yo. Comme problème. Réponse. Serge François Michel, VOA Creole. Sur le continent asiatique là, eh bien, secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré le président chinois Xi Jinping dans la ville Pékin, côté lui encouragé pour lui suspendre, supporter la Russie qui a mené une guerre en Ukraine. Les chefs diplomatiques américains qui étaient visités Shanghai jeudi 25 avril là, eh bien, ils pas voulu répondre à une question journaliste comme quoi, qui étaient posé la question comme quoi, États-Unis, si États-Unis étaient capables d'imposer sanctions contre et la Chine pour support, la baille et la Russie. Non, l'autre point qui a dominé l'actualité, c'est que le jury cap et Donald Trump là dans New York, eh bien, ils ont entré la caillou jeudi après ils ont fini d'entendre un témoin important dans le processus là. Eh bien, juge a fini d'entendre déposition, entendre qui ça qui passe exactement dans la déposition et jugement ou bien dans la déposition témoin ça idée que vous fait jeudi encore dans New York. Ancien éditeur du magazine National Enquirer, David Pecker, répond plus questions sur Jeffrey Littéfait pour bloquer tout article négatif sur Donald Trump pendant l'élection 2016. Procès sous coup de l'argent pour fermer bouche actrice pornographique Stormy Daniel pour cacher relation amoureuse qu'il a gagné avec le candidat parti républicain Donald Trump, te continue jeudi vendredi. Avocat M. Tompio a cherché à démontrer pratique magazine n'a gagné pour l'acheter histoire qui défavorable avec célébrité qui a déjà existé avant même Donald Trump était candidat pour président des États-Unis.
Monsieur Parker, qui était dirigé magazine en sorti 1999 pour arriver en 2020, déclaré qu'il était fait un arrangement avec Donald Trump, ensemble avocat Lee Michael Cohen, en août 2015, dans Trump Tower, dans Manhattan, pour bloquer et disparaître toute histoire Youfit a raconté sur Donald Trump, et puis informer avocat Michael Cohen, qui lui-même d'accord pour aider Parker, jouer une histoire négative contre opposant Monsieur Trump pendant la campagne là. Une entente lui dit qu'il n'est bon ni pour Donald Trump, ni pour lui-même. Parce qu'il a déjà témoigné, il était contre travail pour Donald Trump pour bloquer tout article qui est capable d'affecter la réputation homme d'affaires avant de tourner un politicien. Parce qu'il a déclaré qu'il était saisi et puis éliminé deux articles dans ce sens et puis alerté Donald Trump, vedette film pornographique Stormy Daniel, t'as cherché dans le magazine, non? Une histoire comme quoi il était gagné une relation sexuelle avec un candidat parti républicain. I want to start by wishing my wife, Melania, a very happy birthday. Jusqu'avant, ancien président est rentré dans le tribunal de la Bonnet vendredi 26 avril, il était déclaré par les journalistes, il n'est pas capable de tendre pour journée infinie. Pour aller en Floride, pour capable célébrer l'anniversaire Madame Lee, Melania Trump. De ce ça, il est pour le fini. C'est un jugement sans fondement. Moi, quoi, nous avons un juge qui pas permettre de dossier à fini. Je dis, c'est une autre journée dans le tribunal là, qui fait fret en pile. Tête chargée. Commissaire New York là a accusé ancien président que il était falsifié document business li gen dans New York pour cacher $130,000 il était payé Stormy Daniels et puis il fait le passer comme frère honoraire pour avocat Michael Cohen. Ancien président rejeté parole comme quoi il était gagné relation sexuelle avec des films pornographiques Stormy Daniels. Joël Philippe Vera Creole Washington. Après ce que le bail dans le quartier général des Nations Unies à Manhattan, New York, t'es dit que après une visite que le fait en Haïti dernièrement, que le pays d'Haïti a fait expérience une situation humanitaire qui pire mal depuis le tremblement de terre 2010 là. Carl Scout t'es dit que la situation en Haïti est dramatique parce que moitié population, environ 5 millions de monde, en bas une grosse insécurité alimentaire. Officiel programme alimentaire mondial là insisté pour le dire. Political and security support. Really need to be matched by si pour politique et sécurité réellement besoin matcher avec une réponse humanitaire solide. Deux bagages ça yon pas capable exclusif. Faut que marcher ensemble et puis pas qu'à gagner succès politique sauf si nous tout profiter mettre camper bon gens aide avec assistance by peuple là. Et moi penser que ça moi était ouais souterrain en Haïti c'est que ça capable fait dans mi temps crise là là dans Port-au-Prince mais nous besoin tout pour nous faire plus résistance et encourager développement yo yon l'autre côté pour vraiment essayer écraser sec vicieux ça. Pendant que Pifos et violence sont concentrés dans la capitale là, Carl Scow, directeur exécutif adjoint du programme alimentaire mondial là, t'a dit there is displacement, there is disruption in the trade and the economy. Gagne moun ki en déplacement, gagne des zones dans commerce là avec économie et gagne inflation. C'est comme ça crise là envahit tout côté. Mais réponse pas nous capable différencier. Ça nous besoin c'est une réponse en urgence dans Port-au-Prince, mais nous ka toujours continuer bay l'autre qualité support et faire développement dans reste pays là. Monsieur autant dat moun ça va broter et vider dans pays d'Haïti. Pas jodi a non. Pas jodi a. Pendant ta sa m'a annoncé ou ta agricole yo commencé fait oui. Yo commencé fait dans département nord des pays. Et pas dat non moun sa yo boté et vide dans pays d'Haïti. Pas jom gen explication ki bay. Combien millions de kesse ki sa fait? Combien terrain si rive dans pays d'Haïti? Yo pas dro ça. Mais pas d'autant des moun grand goût et d'ap vini se kan kwa grand goût plus. Et gang tout côté, yon même politicien au fond sel carrément. Gang tout côté, moun pa ka travail, aide ap vini. Donc aide la vin indispensable. Or, pays pa développé ak aide. Grand goût, problème, grand goût pa résoudre ensemble avec aide. Ou se bourri, non bou pideva. Bon, pito nou let nou la. Oui. Les yon nan journalistes yon demandé directeur exécutif adjoint, est-ce que le programme alimentaire mondial a gen assez provisions alimentaires pour aider moun yon en Haïti? Il te répond pour dire que gen assez provisions pour 6 semaines kap vini la yon. Pendant visite en Haïti, Carl Scow, ensemble avec directeur régional là, Lola Castro, avec directeur général organisation Jean-Marie Bauer, te visité yon programme assistance programme alimentaire mondial là qui impliquait dragage canal yon.
Yo te fait discussion parler à cultivateurs yo, partenaires locaux yo ak membres communauté yo ki kounye ap travay sou activité plantation yo. Programme alimentaire mondial la te rétabli environ 2 hectares terre agricole à travers réhabilitation ak construction canal ki gen la donne si pour infrastructure de l'eau yo ka permettre production manger yo fait pour première fois dans communauté ça. Délégation te visite tout yon coopérative cultivateur qui relè coopérative agricole et caféière Gabar le Vaillant de Dondon Kagava. Programme alimentaire mondial là a collaboré à coopérative Kagava dans propre programme bay manger dans l'école dans zone depuis janvier 2023. 62 l'école qui totalisait plus passé 17 000 élèves recevoir produits alimentaires dans Mekagava, dans 4 communes dans le département Nord. Depuis commencement année l'école là plus passé 100 tonnes métriques céréales avec produits qui frais sorti dans coopérative là. Transition dans programme bay manger dans l'école dans le département Nord a accéléré pendant prochaine année l'école là avec une autre 15 000 timoun que programme là pral couvrir et c'est coopérative Kagava qui a absorbé programme ça. Délégation t'a visité tout monde qui obligé déplacer yo qui vivent avec famille qui yo accueil ak la descente la caillou et puis yo te fait yon ti parler ensemble avec yo en groupe de discussion dans nos pays yo bay famille ki yo cible yo yon ration alimentaire par famille pour 30 jours yo premier 50 familles soit 250 moun déjà joine assistance et programme alimentaire mondial la déjà planifié pour aider yon lot 1363 kay nan fin mois avril la nan municipalité ville au cap quartier Morin ak Limonade pour VOA Creole Valerio Saint-Louis New York toujours dans pays d'Haïti. Nouvelle concernant conseil présidentiel là, mais nouvelle ça continue après installation et 9 membres, nous avons 7 membres qui ont droit de vote, qui ont 2 qui n'ont pas gain droit de vote. Mais tout qu'on a question qu'a posé qu'on a c'est effort que conseil a fait qu'on a pris élu un coordonnateur ou bien un président parmi eux. Jusqu'à ce que nous arrivions là, nous avons pas rapporté que le groupe là était déjà un parmi eux qui pour diriger et groupe ça pendant et moi ou bien encore pendant année qui a venu là. J'ai l'impression tout qu'a fait tout parce que d'après feuille de route que organisation a gagné ou bien que agence a gagné en mené et bien il gagne tout pour le mettre sous pied tout pour joindre un nouveau premier ministre qui pour remplacer actuel premier ministre là et qui lui-même qui même là à titre provisoire et bien en époque dit jusqu'à présent sous dossier ça et puis il y a monde qui fait suggestion pour dire qui travaille qui a besoin pour que le groupe l'a fait et y en a dans eux c'est question sécurité et c'est comme ça que les États-Unis et bien il y a deux avions américains qui descendent en Haïti hier ils étaient atterri dans l'aéroport international Toussaint Louverture côté de côté équipement pour PNH là ensemble avec l'autre produit pour la nécessité surtout produit sanitaire pour autorité la santé yo Emmanuel. Police nationale d'Haïtien recevoir jeudi 25 avril là dans l'aéroport international Toussaint Louverture yon don matériel département d'État dans pays les États-Unis. Selon la police, matériel ça visé renforcer capacité opérationnelle institution dans l'idée pour continuer bataille contre grand banditisme sous toute forme à travers tout pays. Mardi, n'a pas rappelé qui sont passé là bon premier avion cargo militaire américain qui était porté équipement pour force l'audio. Hier jeudi, il y a deux autres avions militaires qui portaient équipement chef la police a recevoir dans l'aéroport international Toussaint Louverture. N'a précisé responsable dans institution la police là pas bail aucun détail sur qualité matériel ça. PNH là dans dernier moment ça yo montré au déterminé dans quatre bataille pour croper bandi armé qui pas suspend si men la pérez dans divers quartiers dans Port-au-Prince. En attendant arriver force multinationale là, citoyen yo penser li urgent pour conseil présidentiel transition qui fait entrer en fonction définir voie avec moyen pour résoudre le problème d'insécurité dans le pays d'Haïti. C'est bien. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et concernant la force multinationale, on a dit que Kenya a déjà annoncé, le président Kenya même, M. Ruto, et bien, il a annoncé que le pays de Paris pour prendre tête et mission ça, qui est pour aider la police nationale à combattre l'activité gang armée dans le pays. Nous avons été toujours dans le pays d'Haïti concernant et l'idée pour qu'on ait, est-ce que. Et pour voir bien encore conseil de transition, eh bien, gagner réaction qui sortit, c'est qu'on ça supporter ancien leader rebelle Guy Philippe, en bien rencontré la presse pour exprimer opposition avec conseil présidentiel transition, Mathias de Villemer. Faut qu'on dit, installation, ça n'a pas fait ni chaud, ni fret. 24 ans après installation, conseil présidentiel transition. Réveil national pour souveraineté Haïti, yon parti politique allié ancien sénateur Élie Grand Ancien Guy Philippe. Fait qu'on est au campé en face conseil présidentiel là.
C'est coordonnateur strict ici là, Jean-Tel Joseph, qui fait déclaration. Son combat, nous t'es engagé contre un système. Bataille contre un système, n'est pas facile. Mais heureusement pour nous, et nous battons bravo pour ça, tout élément système, il est rassemblé aujourd'hui en dedans un couleuvre qui a 7 têtes à déconne. Nous tous constatons qu'il y a des camps. Des camps CARICOM non et camps nationalistes qui nous-mêmes avons exigé une solution nationale à problème national pays. Nous venons dire réveil national pour souveraineté pays, prenez opposition. Oui. Nous venons dire population. Pour nous camper gourmet autour des réveils. Pour nous faire triompher la révolution. Et les jours de la triomphe de la révolution, dès qu'on y a braché, cette tête y a coupé. Soubopa Mekalim Jean-Baptiste, avocat barreau Ake, dit le principe devant tribunal correctionnel. Même conseil présidentiel là pour usurpation de titre. Monsieur et dame, ça, vous ne pas respecter la loi, vous ne pas respecter la constitution, vous faites tête au passé. Dans des conseillers présidentiels, constitution 1987 là, pas jamais prévoit bagaille ça. Et dès que ça, vous commencez à agir au nom de l'État ici, nous allons le dire, l'on va gagner qualité selon la constitution ou pas gagner pour engager l'État et nous allons attaquer pour usurpation de titre et de fonction. Okay. Pour l'autre ministre qui était la première ministre, qui parle, ont publié dans le journal pays des moniteurs, ils ont chalabia. Vous entendez, ils ont arrêté le conseil des ministres, ils ont le décret, ils ont dit, ils ont tout. Ou même, nous avons porté plainte pour le cabinet de destruction, 118. Et nous avons dit, nous avons est-ce que nous avons tout le monde qui signe qui voit dans le ça, tout parti politique ça, nous prenons des juges pour interdire pour aller dans l'élection et tout le monde qui représente le parti politique ça pour juger interdire parce que c'est des complices. Citoyens et citoyennes qui s'allient installation conseil présidentiel transition, dit pas qu'attendre pour gagner aller mieux dans la société. Oh là là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Villemé pour VOA Créole. Merci Do. Et un secteur qui a demandé à aller mieux, c'est un leader de religion vaudou. Et en Haïti, on a parlé d'Augustin Saint-Cloud qui lui a demandé un nouveau dirigeant. Donc, conseil présidentiel transition pour agir vite en façon pour garantir la sécurité citoyenne. Okay. Tout ça. Augustin Saint-Cloud qui a pu fonctionner à titre roi vaudou en Haïti qui salue l'installation de 9 membres conseil présidentiel transition. Ouais, première action pour nouveau dirigeant, ça y est. Poser, c'est résoudre problème insécurité. Plutôt faire 10 jours grand goût, qu'est au content ou à l'aise, si vous n'avez pas sorti là, il va y avoir cassé, il va y avoir peur. Puis ça, c'est première chose, c'est premier bagaille qui apprend tout le monde. Pour comprendre, champ de masque ouvrir, tout côté réouvrir, passage tout côté, et bien ça, Haïti décollé. Dans l'union fait la force là, la tête ensemble là, là, il y a besoin de Haïti tout décollé. Résoudre problème insécurité, hein. Révision constitutionnelle là, avec organisation élection générale pour renouveler personnel politique là, c'est quelque parmi plusieurs défis que pays a dû élever. Mais Rosemont Jean, qui est responsable Front National Organisation pour une Haïti stable et démocratique, dit pas quoi dans nouvelle équipe ça. Yo pas venu pour faire élection, vous me contient pour empêcher appliquer gêne. Politique de génocide à la manière de Rwanda. Ils ont tellement banalisé nous, ils ont utilisé la CARICOM. Si CARICOM n'est pas prêt, ils ont pris Rwanda. Mais tout ça, ils ont rentré dans le projet, dans la dynamique, comment permettre de mettre le pays à genoux et puis pour venir voler tout ça là-dedans. Pendant ce temps, la situation sociopolitique et économique a vint plus dégradée, surtout avec un raté Kabiran qui a enregistré depuis quelques jours son marché national. Où est-ce tout ça? Ou VOA Creole, Port-au-Prince. Ancien sénateur brésilien, n'a pas eu de Romário, qui a 58 l'année, ancien gloire football brésilien, dans l'année 87 à jusqu'à 2005,
Eh bien, mes amis, monsieur a annoncé que la pourrait tourner sous terre encore. C'est-à-dire qu'il a dit, mes amis, 58 ans. La pourrait tourner sous terre encore pour lui nouer les ballons avec petit garçon qui est Romarino. On va dire, gentil Augustin, cap pointé pour nous sous dossier. C'est ça, les papis. Romario, attaquant brésilien qui te prend retraite li, recommencé entraîner pour retourner après l'été fin inscrit comme joueur dans équipe deuxième division État Rio de Janeiro, America RG à 58 ans. Lycée actuel président club ça. Et li paré pour retourner dans espoir 15 l'année après l'été suspend jouer. Big objectif moi ici là, c'est joindre opportunité pour jouer avec petit garçon. Moi t'étendé, moi t'éliqué non seulement dans football mais en pile athlète gain objectif ça. Ancien gloire équipe Brésil là qui t'est prend retraite li dans l'année 2008 et qui t'est vinn directeur et sportif America RG dans l'année 2009, t'est joué deux coupes du monde pour Brésil, li t'est marqué 5 goals pour aider équipe la remporter la victoire dans l'année 1994. Petit garçon li Romarinho joué tout pour America RG et li t'est entraîné ensemble Papal a hier jeudi 25 avril 2024 là. Moi voulais faire tout le monde comprendre que moi pas jouer dans championnat. L'idée c'est jouer quelques minutes dans quelques matchs parce que bagay qui pi important pour America RG dans compétition ça, c'est situation technique là et pour ça nous doit entrer avec plus force. Comme moi toujours dit, li met difficile. Nous doit champion deuxième division 1 pour ka al jouer dans pi haut niveau dans championnat Rio de Janeiro. Après Romario te fin prend retraite li nan football, li te vinn yon sénateur nan pays Brésil et puis li te dirige investigation Congrès a sou corruption ki genyen nan football brésilien. Gen moun ka pose question pou konnen est-ce que retour li nan football la pa pral empêcher le travail comme sénateur. Qui non va me atrapalay nada si jouer pa travail nan empêche m nan aucun façon. Travail moins nan sénat, c'est yon travail moins ap fè depuis 13 l'année. Nous même qui vraiment konnen, nous qui vraiment suivre moi ça c'est travail sérieux travail qui dédié à cause qui important en pile dans la vie moun. Fédération Football Rio de Janeiro a confirmé inscription Romario comme joueur. Li ajouté que li pral recevoir un salaire minimum qui pral pour club là. Romario te joué plus passé 70 matchs pour pays sorti 1987 pour arriver 2005. Et li te fait 56 goals. Li te joué 4 fois avec Vasco da Gama et li te joué tout pour Flamengo avec Fluminense dans pays Brésil. Li te joué pour Barcelone avec Valence dans pays Espagne et puis PSV Eindhoven dans pays la Hollande. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Pral commencer surtout pour nous même qui va bo ici là. Mais tout n'a pas tout prend plus précaution tout parce que nous remercions pendant qu'on passe toute semaine avec nous et nous espérons qu'on retourner venir nous encore. Lundi qu'a venir là, n'a pas encourage tout pendant qu'on en vacances ou pendant qu'on en week-end, pas oublier visiter et toute plateforme nous pour qu'on ait dernier point qui censé à dominer actualité et alors le vendredi jeudi à ces jours peut-être nous content de Serge Rodriguez mais monsieur empêché il va là jeudi à et nous ta comprendre qui est ce qui remplace jeudi à et bien c'est chef service là mes amis Sandra Lemaire. Bonsoir tout le monde, moi c'est Sandra Lemaire et c'est moi-même qui a fait nouvelle sous vedette show jeudi à. On a commencé dans New York. Right here, please. A little bit to left. Oh, magazine américain Time célébré groupe Samoun qui gagne plus influence pour année 2024 là, 25 avril dans New York. Sous liste là, nous jouons une chanteuse Dua Lipa, quarterback football Patrick Mahomes et puis actrice Taraji P. Henson. That I'm doing something right. Il dit m'a travaille bien, m'a respecté pour mes moi t'ai fait bon Dieu pour me servir à cadeau, il était ban moi pour me changer monde là. M'a travaille bien. List Time 100 pour année 2024 là, gain 51 femmes là-dedans. Parmi eux, metteuse en scène Sofia Coppola et puis chanteuse Kylie Minogue avec Fantasia Barrino. Est-ce que Kylie Minogue sentit l'icône? It's
so hard for me to answer that. Mais il est difficile pour me répondre. Ma connais ainsi aucun monde sentir comme ça. Mais c'était une année iconique pour moi, donc m'a accepté titre avec un pile remerciement. Acteur et cinéaste Dev Patel t'est enchanté. C'est vraiment un bel bagaille. Bon ami moi, Daniel Kaluuya écrit un bel message que lui voyait pas moi. M'pas de connaît ça t'a pas écrit, li pas dit rien et puis nous t'a voyagé. Nous pas parlé récemment et puis moi li belle parole ça yo que le monde que moi vraiment admiré en pile écrit pour moi. Donc c'était un bagaille accablant. Liz Timela, gen leader mondial ak politisyen tant que directeur agence renseignement central États-Unis CIA William Burns avec gouverneur état Texas Greg Abbott. En tout cas, moi tout merci parce qu'on t'a suivi avec attention, merci pour fidélité ou ak patience. Moi pralé m'a quitté ou nan bra papa bonje parce que c'est lui même celle qui est capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Demain si Dieu veut, pas oublier nous go édition spéciale. Bisou bisou, one love, déjà bon weekend. We'll be right back.